Ok, je crois qu'on est bon. Bon, pas très loin. Enfin, c'est pas très près non plus, quoi. Voilà. Du coup, on va récupérer la viande. On va complètement récupérer la viande. On va aller s'abriter, on va s'amuser avec la carcasse du lapin. C'est étonnant, hein, 3 flèches quand même pour le tuer. Je pensais vraiment qu'on allait le one shot en fait. Ou alors si c'est pas one shot, au moins la deuxième flèche allait le tuer quoi, mais en fait non. Alors, risque de l'enfermement, on est à 12%, c'est bien. On va se réchauffer en faisant ça. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je voulais tester un truc, je voulais regarder un truc. 17, 18, 19, 20, ok. On n'a pas perdu de flèches. Par contre, on va être à court de flèches. Enfin, à court. On va dire que... au bout d'un moment, ça va nous coûter un peu cher en flèche, quoi. Ça, on va attendre. Merde. Oh la vache, tout l'eau qu'il y a. Oh. I wonder if I can drop any of this gear. Ah ouais. Je crois que... je crois que ça va l'eau, non? Ouais, je sais, Torres. Désolé, mais faut bien que je place les choses, non? Voilà. Voilà, voilà, voilà. On a deux faits tout. Est-ce qu'il... ah merde, j'ai un doute, j'ai un doute. Est-ce qu'on en a 5 à la maison? Ou alors est-ce que j'en ai pris un sur moi? Moins 24. Est-ce que j'en ai pris un sur moi ou pas? C'est ça la question. Je pense pas en avoir pris un, donc normalement on devrait toujours en avoir 5 à la maison. Donc on a besoin que d'en récupérer un seul. Et après, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On prend... je sais pas si on reste là ou pas. Parce en fait, on a beaucoup d'aller-retour à faire. Parce que moi, je voudrais quand même camper dans la maison principale hein, de Milton. Et après, on se débrouille pour le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Après on verra. Alors, on va pouvoir se réchauffer, on va faire ça. À la main. Alors. En fait, il va falloir faire un... oula, je vais refaire ça. Il va falloir faire un choix sur ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Parce qu'on a beaucoup de choses. Donc déjà, on a de la fourrure. En fait, moi ce que j'aime pas, c'est que cet endroit, c'est le bordel. Quoi. C'est vraiment le bordel. Donc,
on va mettre un peu de rangement et après on va aviser. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les choses un peu dans le bon ordre. Alors on a une corde. La corde, je pense qu'on va la laisser là, comme ça on saura où elle est. Le bidon, il y a 2 litres dedans. Est-ce qu'on a la lampe sur nous? Normalement non. Ouais, je n'ai pas la lampe. Donc ça, il faudrait prendre avec nous. On a un marteau ici. Le marteau, on va le laisser, on n'a pas besoin. On va, on va devoir prendre un faitou. Après, on a plusieurs chaussures. On a ça. On a des vêtements. Petite peau de lapin. Ça, ça. Le bâton, on va le garder avec nous. Ah, quoique, attendez, pour crafter. En fait, bah c'est ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'atelier à Milton. À Milton même, je crois. Je crois pas qu'il y ait d'atelier en fait à Milton. Donc à la limite, on peut laisser tous les outils et les choses pour crafter, genre les pots et tout ça. On peut les laisser ici, je pense. Bon, après, pour réparer, on n'a pas besoin d'un... Ouais, on n'a pas besoin d'un... D'un atelier, en fait. Pour faire les flèches, si, par contre. Ah, pour tout ce qui est flèches et... Jeune bouleau séché... C'est quoi qu'on a, nous? Jeune érable. Ah, c'est pour faire un arc. Oui, non, bah du coup, on va... Oui, non, mais on laisse ça. On laisse ça là, puis voilà. On laisse comme ça. Voilà, ça en prend pas. On va prendre les chaussures, je pense. Ça nous fera du cuir. Oui, de toute façon, les... nous, ce qu'on a en chaussures, c'est ça. Donc... Elles sont bien ces chaussures, hein. Travail et de marche. Les travails, elles protègent beaucoup. Hein. Marche, non. Mais elles sont moins lourdes. Enfin bon, on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. On va prendre 1 litre. On va aller voir pour récupérer un peu plus de viande. Ah mon dieu, il fait beau. Il fait beau, on pourrait faire un feu à l'extérieur avec la loupe. Et après le ramener chez nous à l'intérieur. Par contre, je vais avoir froid là. Can't feel my hands. Je sais pas si on a assez pour faire un autre feu. Je crois qu'on a assez de bois. Pas sûr. Voilà.
Après, ce qui serait pas mal, c'est de laisser quelques viandes ici aussi. Là, franchement, je fais juste de la décoration. C'est surtout de la décoration. Mais voilà. Pourquoi pas, quoi. Voilà. Et tout ce qu'il y a par terre, on va le ramener avec nous. En gros. Donc, par contre, faut que je prenne un peu d'eau sur moi. Je sais pas si on peut le mettre autre part, là, parce que là, c'est vrai que c'est pas beau. En plus, c'est tout... bordel là. Cette chaise elle m'énerve aussi. 2 heures pour casser une chaise quoi. C'est chier. Est-ce que 2 heures à l'intérieur c'est un peu beaucoup. Pas mal, voilà, 11%, très bien. Alors, on va prendre le jerrycan. On va pas le prendre maintenant, on finit encore de récupérer la viande. Mais sinon, ouais, on prend le jerrycan, la viande et on rentre. C'est quoi le bruit? Non, y'a rien. Waouh, c'est super beau. Ah, il fait moins froid. Ouais, c'est parce qu'on est protégé. Non, mais on va faire ça, ouais. On va finir de récupérer la viande. Voilà. Ah, c'est que 28 minutes. Ouais, ok, ça marche. On va récupérer la peau aussi, juste au cas où en fait. Parce qu'un jour ou l'autre, si on reste longtemps ici, on va en avoir besoin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, on va. Les abysses se détériorent, etc., etc. Donc, au final, c'est logique qu'on en ait besoin à un moment ou à un autre. Là-bas aussi, il faudra aller voir. Vous voyez, là en face, je crois que ça tombe sur le lac gelé, peut-être. Il faudra aller voir là-bas si on peut pas y aller aussi. Enfin, il y a plein, il y a beaucoup de choses à. Il y a beaucoup d'endroits à visiter. Il y a énormément d'endroits à visiter. Pour l'instant, on n'a pas fini Milton. On n'a vraiment pas fini. Il reste encore beaucoup de maisons à voir. Il reste encore beaucoup de véhicules à voir. Donc, on va se focaliser encore un peu, un petit moment sur Milton. Mais après, ouais, après on. Après on changera. Hein. Après on explorera plus loin, c'est ça que je veux dire. Alors les chaussures, dans un sens je me dis, est-ce que on les garde ou pas? Peut-être on en garde les chaussures de marche. Ça c'est moins 3. Ça qui est bien en fait. Moins 3. C'est moins 5. Pff, non, on s'en fout en fait. Non. 1h30, d'accord. Je vois pas pourquoi on les garderait, c'est complètement débile en fait, au final. Alors, quelque chose qui est couché par terre et qui prend pas beaucoup de temps et que je peux faire à la main, s'il vous plaît. Carton à la con, mais ça sert à rien.
Oui, je voudrais casser des caisses, mais à la main déjà. Et qui durent une heure à peu près. Là, je peux faire la planche en 12 minutes, mais il faut utiliser la hache. J'ai pas vraiment envie d'utiliser la hache. Non, on en a qu'une. Après, il y a le tabouret, mais bon, il y a la chaise, quoi. Mais c'est 2 heures. Il va faire nuit. J'ai pas pris la scie avec moi. Ça sert strictement à rien de faire ça. Parce que j'utilise pas de machin. Ça sert strictement à rien. C'est juste pour faire beau. Voilà. On va récupérer tout ce qui reste. Sur le loup. Et après on rentre. Donc on en a encore... Oh putain, il fait encore beau. Et on a encore pour une heure, je pense. Et après on est bon. Et après on rentre à la maison. Ah, il fait pas froid. Moins 10. Ouais, bah on va faire les deux d'un coup, je pense. Et après on rentre. Parce que le soleil commence à se coucher. Pas des plumes. 28. Ah ouais, quand même. Voilà. Bah tiens, on va en profiter pour faire ça. Ah, on est là, nous. Parce qu'il y a le sac à dos, là. Branche de sapin. Ouais. Ok. On a quand même pas mal de steak à faire cuire, mais on va pouvoir passer une nuit complète avec ce qu'on a déjà de disponible. On a encore un steak en entier. Après j'ai encore des comment ça s'appelle, des massettes. Donc enfin voilà, on peut passer la nuit facile, hein, y a pas de problème. Et j'ai de l'eau. Y'a aucun problème. Mais il va falloir faire du feu. Et bien sûr, cuire tout ce qu'on a. Hein. Donc je pense que, comme j'ai dit, on va y aller. Il nous reste quoi? Il nous reste... des boyaux à récupérer. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas. Ah, c'est embêtant ça. Ouais. C'est un peu embêtant parce que là il y a beaucoup de bordel en fait par terre. C'est vraiment atroce. Cet endroit est vraiment dégueulasse. Hein. Moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout y vivre. Hein. C'est un peu triste, mais bon. Ouais, je pense qu'on va y aller maintenant. On va rentrer. On va peut-être manger avant de sortir, parce qu'on est quoi, 60%, 58%. Il va faire froid le temps qu'on rentre. On va geler, donc on va... Ah ouais, mais après on a qu'un seul steak pour la nuit. Donc il faudrait le cuire. On va le garder. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. On va aviser. L'eau. Là, on a de l'eau, regardez ça, c'est bien. Donc on prend ça. Ça on laisse, la corde d'escalade on la laisse, ça sera, on la laissera là. De toute façon l'atelier il est là, il est pas loin. En plus c'est un atelier en extérieur donc c'est cool. Enfin c'est cool, dans, oui et non. Oui et non. C'est bon, bon ben, il faudrait juste que je me réchauffe en fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Une torche? Ah oui, aussi, je vais regarder un peu si on a des torches et tout ça. Aussi, une chose pas mal sur ce qu'on pourrait faire, c'est quand on va aller à l'atelier,
par exemple, bon, vu que là c'est un atelier en extérieur, donc il faut un feu, on est d'accord, il va falloir quand même faire un feu pour que. Bah, ça dépend ce qu'on craft, hein, évidemment, hein, comme d'habitude. Mais si ça prend une genre une dizaine d'heures, il nous faudrait un feu. Et ce qui est bien avec, encore une fois, la nouvelle mise à jour, c'est qu'on pourra par exemple laisser bouillir de l'eau pendant genre 1 heure et crafter pendant 1 heure. Et après, on intervertit à chaque fois. On change l'eau, on change les trucs, les choses. Et à chaque fois, on craft 1 heure, on rechange, etc. C'est pas mal, hein? C'est pas mal ce système. Ça permettra de pas juste faire un feu pour garder la chaleur. Là, ça sera double usage. Ça gardera la chaleur. Enfin, ça nous gardera au chaud. Et en plus, on fera de l'eau, quoi. Cette boîte, elle m'énerve. On peut pas l'enlever en plus. Ça aussi, ça m'énerve. Enfin, oui, on peut l'enlever. Bon. Bon, on va enlever ça. Ça m'énerve. Voilà. Et on va le jeter. Très bien, allez on se casse. On a tout, on prend plus rien d'autre. Allez, on y va. Donc on va peut-être manger un bout avant de partir. On a encore 10 massettes. Massettes, faudra les récupérer, il faudra en récupérer quand même. Hein. Parce que ça va être un peu embêtant. On va boire ça. Voilà. Able to carry this load for much longer. Let's go. Donc on a un peu de calories. On va pouvoir rester. Ah ça va, il fait pas trop froid en plus. On a un peu de calories, donc on va pas perdre de vie. Et il fait pas extrêmement froid. Donc ça va. Vous voyez, c'est là. Donc ici on pourra faire un feu. Oula. Oh. Non, on a un gros brouillard qui arrive. Oh la vache, ça fait mal ça. Ça fait mal. Waouh. Tu m'étais sérieux là? Ok, les brouillards Hamilton, ils font quand même un peu mal à la visibilité là. Là ça va là. Là c'est vraiment Silent Hill là. Bon. Je vais être honnête, je vais pas trop parler pendant le retour à la maison. Aussi à noter que je n'ai pas vu de d'élan ou d'ours encore. Nous avons. Là, il va falloir récupérer des massettes plus tard. Nous avons pas vu non plus de marques sur les arbres. On est bon. Là, je vois les lignes de courant. Il y a tellement de bruit dans Milton. On a des appâts.
say I hate being cold. Oh putain. I really do. Torres, faut que j'écoute là. Ah, la musique s'est arrêtée, mais j'entends toujours ses grognements. Ah, ça va, il nous a lâché. Quoique. Il faudrait qu'on soit à côté d'une maison. Enfin, à côté de la voiture là. Parce que je peux pas sprinter, c'est ça le problème. Oh putain. Je l'entends, il est derrière. Ouais, il est juste là. Tout va bien. Tout va bien. Oh mon dieu, on y est. Ouh. Yeah. Oh la putain. Oh la vache. Oh. Ok. Putain, ça fout les boules tout ça. Attendez, on va pas mettre la viande, la nourriture ici. Oh, oh non, j'ai pris un fait-tout. Yes, j'ai pris un fait-tout. Je sais pas, j'ai eu un doute. Alors ça... Ça, on les... Je pense qu'on les prendra peut-être et on les découpera à l'extérieur. Genre quand il fera très beau. Ou alors on fait un feu, comme ça on passe 1h30. Vous voyez, comme ça on devient pas fou. Quoi. Alors... Là on va mettre du bois... Ta-ta-ta-ta. Là, le petit bois ici. Ouais, ça va, on est rentré, tranquille, il n'y a pas de problème. Quoi. On va mettre ça. On a 6 litres d'eau, très bien. Là, on a des conneries. Alors. Désolé, mais bon, là, on est rentré, donc ça va être tranquille. Hein, Je dépose les choses et puis voilà quoi. Voilà. Donc on a de la viande à faire cuire, on a ça à manger, on va manger ça et on passera la nuit. Celui-là. Pour le moment, bon, on va te mettre je sais pas où. Et voilà, parfait. Donc on a 6 fait tout. Donc ça fait 12 litres. 12 litres d'eau en même temps. On va remplir notre lampe, comme ça sera fait. Je sais pas où j'ai mis la lampe. C'est un arc. Merde. J'ai complètement oublié. Est-ce que je l'avais sur moi la lampe? Question conne. Non. Je l'ai mis où? Bah mince. Ah! Yes. Désolé. Ou alors, non, on va peut-être pas la remplir maintenant. On va attendre. Peut-être qu'on va en trouver une meilleure. Une dans des meilleures conditions, peut-être. Voilà, 5, on transfère ça.
La lampe. Torche, non. Là, on a quoi? La couture facile. Là, on a ça. On va prendre la couture avec nous, juste au cas où, parce que des fois, on a envie de lire. Ça. Ok. Alors, c'est possible que ce soit un peu sombre. Ça commence là. Ça commence à être sombre. On va en mettre deux. Voilà, c'est joli. Bon, du coup, on va dormir, mais encore une fois, on va avoir un problème. Oh la vache, il y en a 3 ça. On va avoir un problème parce que on commence à devenir fou, donc il faut vraiment que on fasse quelque chose à l'extérieur pendant longtemps. Et je dois dire que je sais pas quoi. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire à l'extérieur. Ouais. Je sais pas du tout. On va devoir peut-être faire de la nourriture à l'extérieur. Quoique non, non, on peut faire de la nourriture à l'intérieur et puis on sort. On peut faire ça, donc il n'y a pas vraiment de problème. Là, je crois qu'il y a un truc juste à côté de la maison. J'ai entendu des pas. Je suis quasiment sûr qu'il y a un truc juste à côté de la maison. Bon, nous allons dormir. Ouais, on va dormir. Oh tiens, j'ai ça aussi. On va en mettre 10 dans l'armoire. Nous allons dormir et après, demain, donc... on fera encore le tour de la... de la ville, quoi. Peut-être qu'on ira à l'extérieur de Milton, du coup. Peut-être qu'on ira à l'extérieur de Milton. Comme ça, ça nous forcera un peu à rester dehors. Et avec de la chance, on n'aura pas le risque de l'enfermement. Mais bon, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va devoir dormir à l'extérieur. Bon, c'est un peu chiant. Je sais pas trop où dormir à l'extérieur, mais on va se débrouiller. Dans une voiture, peut-être. Ouais, comme j'avais dit, on verra. On verra, on verra. Allez, c'est l'heure. On va dormir le maximum. Comme ça, on sent pleine forme. Et on pourra se balader. Man, I could eat anything. Et nous nous réveillons. Donc, personnellement, je fais une petite pause. Je fais une petite pause. On est à 68%. Donc, comme d'habitude, quand je fais des pauses, en résumé, je sais plus ce qu'on était en train de faire. Il est quelle heure? Bientôt jour. D'accord, ok. Il fait bientôt jour. Je pense qu'on va se balader en ville. Si je me rappelle bien, on a beaucoup de nourriture, donc ça, il n'y a pas de problème. On va se balader en ville. On va se balader vers l'église. Je pense que l'église, on l'a toujours pas faite, si je me trompe pas. Donc, on va faire ça. Nous avons des flèches. Et je me rappelle que, à cause du mal de l'enfermement, à un moment ou à un autre, on va devoir sûrement, sûrement faire des choses à l'extérieur. Alors excusez-moi, je sais qu'il c'est noir, mais normalement, vous devrez quand même un peu distinguer les choses. Là, on a des machins. Okay. On n'est pas trop lourd, on a encore 5 kilos... En fait, comme d'habitude, on est lourd parce qu'on a beaucoup de vêtements, des gros vêtements. Ouais. Ok. Let us go. On a 3 litres sur nous, ça. 3 litres. Est-ce que ça suffira? Ouais, ça suffira. Ça suffira. Ça suffira. Mets-toi accroupi, non? Tu veux pas te mettre accroupi? C'est ça. J'ai changé les... Changé les touches, en fait. Donc du coup, j'ai du mal. Bref, let's go. Donc on va aller sur la droite. La droite, c'est la...
C'est ça, c'est ça. Voilà, ranger. Ok, c'est bon. Alors, on a de la viande. Je crois qu'on avait de la viande. Pas cuite aussi. Ouais, on a tout ça. Ah oui, c'est parce qu'on avait des loups, hein, je me rappelle. Ah, on a beaucoup à faire. Ah, lapin cru. Ah, du coup, non, il faudrait faire à manger, non? Comment ça se fait? On n'avait pas de la nourriture? Ça, il faudrait le jeter. Non, on verra. Par contre, il fait moins 25 degrés. Okay, cool. Ouais, je me rappelle, on avait des... Ah, il a peur. Il y en a un autre. Ah, là. Ok. Ah, merde, il revient, l'autre. Il y en a deux. Très bien. Ok. Donc ça fait 1. On va se réchauffer. Alors. Alors, est-ce qu'on a du bois? Est-ce qu'on aurait assez de bois pour faire un feu qui dure longtemps? Parce qu'à la limite, ce qu'on pourrait faire, faire tout cuire. On dépece dehors, on fait cuire et on cuit ici. Enfin, en gros, comme on avait fait à la maison, là. Hein, vous vous rappelez? On avait fait ça. Donc à la limite, on n'a qu'à faire ça maintenant, non? On n'a qu'à faire ça maintenant, allez. Bon, on n'a pas... C'est embêtant parce qu'on n'a pas beaucoup de bois de côté. J'aurais préféré... J'aurais préféré attendre d'avoir du bois, en fait. Encore une fois, on en revient au même point, c'est que on va devoir quand même rester un moment très très longtemps dehors. Donc... Donc j'ai peur que... Du coup, il nous faille du bois. Mais bon, on va se débrouiller. On est un aventurier ou pas? Hein? On est aventurier ou pas? Alors je me demande toujours si on... Si on perd en résistance avec les fétous là, si on les utilise. Oh yeah, that's a good one. Je sais toujours pas. Donc on verra ça. On va prendre ça. Ça, ça, ça. Allez, un. Something to eat. Calme, calme, on se calme. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va faire beaucoup de rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous. Vous me le direz, hein, parce que. Hein. Alors, attendez, parce que je voudrais voir les pourcentages de la. Bon, ramasser. Alors, attendez, ce que je veux voir. Alors, 84%. D'accord. Ok, 84%. Cuir. Hop. C'est plus facile comme ça. Hein. Plus facile comme ça. Mais par contre, il y a 55 minutes. Et par contre, voilà, on est au chaud, ça va. Si ça utilise des pourcents, autant les cuire directement à même le feu, quoi. Ok, ok. Ok, très bien. Alors on a un autre. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le lapin, mais il n'y a rien. On a un autre loup qui traîne. Faudrait se le tuer avant que... Ah voilà.
Alors attendez. Ah, il est là. Ah la vache! La saison des loups, quoi. Alors avance un peu, encore un peu. La maison est là, avance encore un peu. Chaque fois, je me fais avoir par ce putain de... Cette saloperie de poste, là. Attendez, est-ce que je vois rien? Par contre, là, je vois pas grand-chose. Flèche simple, très bien. Il est où le morceau de viande? Où est le morceau de viande? Merde. Oh oh! Il l'aurait bouffé? Attendez, je l'ai mis là. Bon, pas grave, on rentre. Encore une fois, on a plein de... Encore une fois, on a plein de nourriture. On va devoir tout faire chauffer. 30 minutes. Alors, en 30 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Flèche brisée, on a qu'à recycler ça. On se réchauffe. Voilà, très bien. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 30 minutes? Le bandage en plus, ça en plus. Non. Je cherche hein, ce qu'on pourrait faire pour passer les... Parce que j'ai pas trop envie de passer les 30 minutes. Quoique je pense qu'on peut le faire. 20 minutes. Ah, mais on est assez chaud là. On est assez chaud. On va faire de l'eau aussi. Un peu d'eau. Il commence à faire jour. On va ramasser tout ce qui est plume. Très bien. Alors là, normalement, on est à l'abri du vent, je crois. Non ? Pas du tout. Il fait moins 28. Alors, 1 kg. Ok. Faudrait qu'on soit complètement plein, en fait. Pour... Pour rester 15 minutes dehors, il faudrait qu'on soit complètement chaud. Alors, brûler. Alors, prendre. Alors maintenant, fais tout. Ramasser. 84%. Non, ça va. J'ai pas l'impression que... Cuir. Bon. On est d'accord que... On va remettre du petit bois. On est d'accord que ça utilise pas les pourcents. Hein. On est d'accord. Hein. De ce qu'on a vu. On va quand même continuer à vérifier. Hein. Quand même continuer à vérifier. Il faudrait que on boive un peu. Ah, très bien. On est toujours pas au maximum. Ta -ta 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 -ta. 50 minutes. Fondre la neige. Ah oui. Alors, j'ai pensé, en fait je croyais qu'il y avait un bug, mais alors je crois que j'ai fait une erreur en disant qu'il y avait deux timers. En fait, ce qui se passe c'est que on fait fondre la neige, et après on la boue. Et alors franchement, pour être honnête je me rappelle plus, j'ai cru dire qu'il y avait un bug, que ça revenait à zéro. Alors franchement je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est peut-être parce que la traduction était mauvaise à l'époque et ils l'ont changé depuis, je sais pas. Parce que là il y a écrit fondre. Enfin je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. En gros j'ai dit de la merde, voilà. Ça arrive souvent. Mais voilà. Ah on est trop froid.
Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Pas très grave, mais c'est un peu chiant. Bon, apparemment, j'aurais dit de la merde. Ah, fondu, 20 minutes, 20 minutes. Ok, on pourrait aller encore couper un morceau, en fait. Ouais, on va le faire. Ah là, on est protégé du froid, je crois, non ? Alors, on va perdre un peu de vie en continu parce que, en fait, il fait trop froid dehors. S'il faisait beaucoup plus chaud, on n'aurait pas de problème, mais là, on est un peu dans la merde, en fait. C'est pas grave. Alors... Hop, hop. Donc voilà, maintenant, ça boue. Je suis quasiment sûr... Enfin, non, c'est peut-être moi, en fait. C'est peut-être tout simplement moi qui ai mal lu et j'ai sauté en fait à la conclusion qu'il y avait un bug. C'est peut-être moi, donc je m'excuse pour ça. This pack is getting kinda heavy. Je m'excuse pour ça. 84, pardon. Donc on est bon. Attendez, parce qu'on va mettre toute la nourriture en une fois. On va mettre plus d'eau à cuire. Il faudrait une table. Il me faudrait une jolie table. Ça par contre, ça arrive de cuire plus vite. Trente minutes, 25, 40. 13. Ouais, c'est... On va reprendre encore un kilo de viande. Alors je pense que... Enfin je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais je pense que je vais me relancer sur The Long Dark, les épisodes en fait, l'histoire. Sur Twitch. Par contre il va faire chaud, hein. Un peu plus chaud. On avait fait déjà les épisodes 1 et 2 sur Twitch. Les gens avaient bien aimé. Et je crois que je vais refaire les épisodes 1 et 2 parce que le 3 en fait arrive ce mois-ci en août. Donc du coup. On va manger le lapin. Pas tout. Voilà, 0,5. Ah, très bien. J'attends de me réchauffer en fait. Ça va, le risque de l'enfermement il passe. On va, en fait, je pense qu'on va simplement attendre. Parce que je crois que passer le temps en accéléré influe plus sur la folie que genre attendre pour du vrai. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça influe beaucoup plus. Ce qu'on pourrait faire, c'est plus de café, non? Là, on a ça. Là, on a des outils. 3 heures encore. Peut-être 3 heures, c'est beaucoup, en fait.